few months ago, I was asked to come to Madagascar to capture the beauty of this unique island. I spent 6 weeks filming everything from its dense jungles in the north, to its rich marine life off the coast, to its arid deserts in the south. I came to Madagascar to capture the beauty of what some consider to be the 8th continent. Yet in my first few hours, I witnessed something completely different. I was filming an island that was being destroyed by the practice of deforestation. The fires were apparent even on my first day of arrival. We were on a boat cruise traveling down the Tiribina River in a very remote region of the island. As the sun started to set, you could see there was a smoky haze in the air. As the sky darkened, the fires roaring in the forest above us became more apparent. The fires were so bad that our boat captain decided to change campsites for the night in order to keep a safe distance from the flames. I immediately felt a moral responsibility to try and document what I was seeing. So everywhere I went, I started interviewing locals to hear what they had to say about the fires. Here's what they said. Dizaines d'années, il y a beaucoup de changements. Il y a déjà donc là-bas, là, cette année ici, ou l'année dernière aussi. Ce qui choque actuellement, c'est la dégradation de la forêt à cause de la culture surbrûlée. Des zones que je me souviens boisées avec des belles forêts que l'on voit aujourd'hui totalement dénudées. Pour couper la forêt, faire la déforestation. Le feu de brousse, c'est une pratique qui consiste à brûler la forêt, tout nettoyer et après de faire la culture du riz avec. Cette année, il y en a beaucoup plus. Les feux entraînent la perte de fertilité du sol, perte de productivité. Avec toute cette forêt, c'est toute la flore et la faune qui a disparu. Et c'est une réalité sur Madagascar. La déforestation à Madagascar, en 2017 seulement, a atteint 510 000 hectares, ce qui est l'équivalent de 60 fois la surface de la ville d'Antananarivo, la capitale du pays. Ça cause des gros problèmes au niveau environnemental et ça va freiner un jour des tourismes dans notre région. Pour nous, si ça continue, on a peur qu'il n'y aura plus de gens qui vont visiter parce qu'il y a moins d'animaux. Madagascar, comme vous le savez, est parmi les pays méga divers dans le monde avec plus de 80% de ces espèces de faune et de flore qu'on ne peut voir ailleurs. Cette biodiversité, malheureusement, est très menacée à cause de la déforestation. So what you just saw was pretty depressing, wasn't it? The facts are clear. Madagascar has suffered greatly because of deforestation. But in the eyes of people like Francisco, I saw a glimmer of hope. I saw a passion for conservation from a local perspective. And I do believe we still have a chance to save this island's biodiversity. Organizations like the World Wildlife Fund have been active in Madagascar for more than 3 decades. The WWF is working on a number of conservation efforts, including working with the government to create and expand protected areas. Organizations like WWF need our help now more than ever. Now is the time for our generation to stand up and save what's left of what some consider to be the world's 8th continent. Donc nous avons vu dans le film de tout à l'heure qu'il y a quand même une urgence. 55 fois la taille de Tana, quand même ça fait peur avec cette proportion-là. Donc nous avons cet objectif à atteindre. Heureusement, autour de cette table, nous avons les représentants de ce qu'on appelle un peu les acteurs dans ce monde, les grands acteurs de ce milieu. On parle de forêt, donc on parle de reboisement, de reforestation. Ce sont des gens qui sont
qui sont en plein dans ce secteur-là. Donc ma première question s'adresse, et je pense que c'est la logique de notre discussion, à Monsieur Zhaozhan Jean-Jacques, qui représente ici le ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Recouvrir Madagascar de forêts, 40 000 hectares par an, c'est ça l'objectif qu'on se fixe. Quels sont les plans d'action qui ont été mis en place par l'État pour atteindre cet objectif-là? Tout d'abord, merci aux organisateurs d'avoir invité le ministère à participer à ce débat. Donc, comme le temps de parole est assez limité, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais directement répondre à la question. Quels sont les programmes que l'État a concocté pour atteindre cet objectif? Comme vous le savez, l'État, c'est surtout le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, son rôle est plutôt focalisé sur la conception des politiques et des programmes, des stratégies et la coordination de la mise en œuvre de ces politiques, programmes, stratégies, mais aussi le suivi. En même temps, l'État aussi fait partie des acteurs de mise en œuvre à travers ses démembrements au niveau régional et au niveau de district, voire même au niveau des communes à travers les triages. Lorsque j'ai pris la direction du reboisement, ce que nous avons fait, c'est d'abord réunir les directeurs régionaux avec les chefs de services régionaux et quelques chefs cantonnement pour évaluer la situation qui existe sur le terrain. Après ça, il y avait une proposition émise par ces responsables. Et après ça, on a réuni aussi les partenaires techniques et financiers, surtout les acteurs qui mettent en œuvre directement des projets de reboisement. On les a consultés aussi pour justement établir un document de travail, une stratégie et un document de travail qui va permettre la mise en œuvre de ce défi de reboisement d'au moins, je dis bien au moins 40 000 hectares. Mais aller au-delà des 40 000, c'est pas une mauvaise chose. Donc c'était ça. Donc on a décidé de promouvoir un reboisement que l'on peut considérer utile. On ne va pas se limiter sur les espèces traditionnelles de pinus ou des eucalyptus seulement, mais ça dépendra des besoins des groupes ou des organismes ou des communautés même qui veulent faire le reboisement, les espèces à promouvoir. Déjà ça. Et deuxième approche, stratégie, c'est l'implication de toutes les parties prenantes, à commencer par les communautés de base, les organismes nationaux ou internationaux qui travaillent déjà là, mais aussi on va mobiliser les forces armées, les étudiants, et toutes les parties qui peuvent s'intéresser au reboisement. On sera ouvert, on va mobiliser, on va faire des campagnes de sensibilisation pour cela. Si tout le monde s'intéresse, il y aura aussi le besoin de plans. Là aussi, donc, l'État, à travers le silo national des grains forestiers, va chercher
et va s'ouvrir à d'autres techniques de production de jeunes plants pour satisfaire les besoins de tout ce qu'ils veulent faire le reboisement. On va aussi promouvoir les pépinières de proximité, c'est-à-dire on va mettre en place des pépinières au niveau village, au niveau commune, pour que ceux qui veulent faire le reboisement ne manqueront pas de jeunes plants. Bah justement, vous avez parlé de reboisement, vous avez parlé d'espèces à promouvoir. Donc j'enchaîne tout de suite avec Madame Ivani Rabentan, qui représente ici le silo. Quels sont les efforts aujourd'hui de votre institution qui va dans ce sens d'atteindre cet objectif Oui, bonjour tout le monde et merci à l'organisateur et merci aussi à tous les panélistes qui sont là. Oui, effectivement, l'objectif actuel, donc, c'est comment recouvrir Madagascar. Et comme le ministère a parlé, nous, on est des institutions donc, qui est rattachée au ministère, qui a été créée, effectivement, depuis 1970. Donc, ce n'est pas maintenant que l'État a déjà pensé à ça, mais vraiment d'installer donc, le silo. C'est pour qu'on a les graines, on a les semences forestières pour assurer vraiment donc, ces besoins-là. Donc, les besoins, ça existait depuis longtemps. Mais maintenant, ça s'est fortifié depuis. Donc, ça s'est aggravé. Notre rôle, comme il a parlé, nous, actuellement, comme il y a des pertes, comme on a vu dans la vidéo, notre première priorité, c'est de conserver les ressources génétiques. Donc, actuellement, au niveau de silo, on a des banques des gènes, donc des gènes génétiques, des graines. Actuellement, on a plus de 5000 espèces qui sont conservées. Donc, ici à Madagascar, espèces floristiques, donc je veux dire. Donc, ça, c'est vraiment. Et cette démarche-là, ça continue. Parce que, comme nous le savons, on a encore plus de 15 000 espèces. Donc, nous, on essaie de collecter et de conserver toutes les espèces. Mais comme vous le savez, il y a des espèces qui ne peuvent pas être conservées, les graines. Donc, dans ce cas, nous, on fait la conservation. Bon, là où on conserve donc la conservation, on fait la conservation in situ, c'est-à-dire on plante directement les graines parce qu'on ne peut pas le conserver. Donc, on les transforme en plants et on les plante. Donc, soit on les met en terre, on fait la conservation in situ, c'est-à-dire on remet les plants dans leur milieu naturel d'origine. Soit on les met ex situ, c'est-à-dire que nous, on les plante, on crée des arboretums ou des vergers à graines. Donc, c'est vraiment pour pérenniser l'existence de ces espèces, pour qu'ils ne soient pas perdus. On sait qu'il y a des espèces qui ont disparu. Il y en a actuellement qui sont vraiment très menacées. Comme nous le savons tous, les palissandres, ça, vous n'en trouvez pas. Il y en a les régénérations naturelles. Mais si on parle de taille pour l'exploitation, pour le besoin quotidien, on ne peut plus les couper. Donc, il y a plusieurs espèces qui sont vraiment constatées que c'est très menacé. Et nous, actuellement, donc, on priorise ces espèces dans la reforestation, leur restauration, que ce soit in situ ou ex situ. Et avant, donc, on était un peu des bureaucrates, si on peut dire, des techniciens, des chercheurs. On est toujours dans notre arboretum, etc. Mais maintenant, on se focalise et on incite les populations à faire la même chose. Et pour que, comme on a demandé, comment atteindre les 40 000, comme auparavant j'étais au ministère, tout le monde a peur, hein, c'est quoi ce 40 000 ? Mais je peux vous dire que moi j'étais en charge de suivi évaluation du ministère avant. Le 40 000 hectares là, ça a été déjà atteint dans les 2008-2009. Ça, le ministère a pu réussir ça. Ça, c'est déjà fait. Donc, en moyenne, avant, c'est entre les 30 000 et 50 000 les réalisations annuelles. Donc, il ne faut pas vraiment avoir peur quand on a entendu le 40 000. Mais, il y a le hic. Le problème, c'est que nous, quand on parle de reboisement, avant, on a l'habitude de faire, quand on a planté, et c'est là qu'on a fait qu'on a atteint les 40 000. Avec l'hectare qu'on a planté, qu'on a mis avec
ouverture de reboisement, etc. C'est faire un avion. C'est vrai. Mais le problème, c'est l'après la plantation. Et c'est là que le 40 000 n'existe plus. Tant qu'on a planté les 40 000, et après, il n'y a plus qui entretient, qui fait le suivi, etc., etc. C'est pour ça que on revient toujours au même circuit. C'est pour ça que la superficie reste un peu stagne, parce qu'il y en a qui sont brûlés, comme on a vu. Et donc, c'est là qu'il faut trouver des astuces. Comment vraiment alors pérenniser les 40 qu'on a plantés et comment qu'il reste 40 jusqu'à l'année prochaine et ainsi de suite. C'est pour ça que nous, on opte donc, la première solution, c'est vraiment l'approche locale. Donc, il faut impliquer les gens. D'accord. Impliquer les gens, justement, nous avons Lucienne Vilmé du WRI qui est ici, qui travaille justement dans le suivi forestier. Comment ça se passe sur les terrains justement? Alors sur le terrain, WRI est davantage présent sur les satellites que sur le terrain à vrai dire. Mais on a effectivement des outils qui nous permettent de descendre les satellites sur le terrain. Alors on développe par exemple des applications qui sont destinés à ces gens de terrain, les patrouilleurs, des parcs, des réserves et éventuellement des citoyens tout simplement, qui pourraient avoir accès à ces informations de déforestation directement à partir des satellites avec des alertes de déforestation qui complètent les alertes feux que vous connaissez tous, certainement les acteurs de la conservation. On a depuis des années maintenant la NASA qui nous envoie les alertes feux. On va rajouter là-dessus des alertes de déforestation avec les GLAD. Alors, une fois de plus, Madagascar a ce paradoxe d'être pauvre et riche en biodiversité. Et la richesse de la biodiversité, elle s'explique aussi par cette diversité de types de forêts, parce que là, on parle effectivement de plantation d'arbres, mais déjà au départ, il faut savoir que la biodiversité et la diversité, elle est dans les forêts. Alors on va des forêts humides, aux sèches, aux épineuses, en résumé, parce que c'est bien plus complexe que ça. Et avec ces types de végétation, on va dans une richesse extraordinaire. Et nos alertes GLAD, par exemple, elles sont bien meilleures dans les forêts tropicales humides, surtout sur l'est de Madagascar, qu'elles ne le sont sur l'ouest. Alors on a par exemple aujourd'hui une équipe qui travaille avec Durel dans Menabe Antimena pour essayer effectivement de corriger nos algorithmes pour qu'on puisse mieux répondre. Dans l'épineux, on est encore moins bon sur les alertes parce que les satellites, ils ne sont pas forcément dédiés à Madagascar. C'est à nous ensuite, effectivement, de corriger ces algorithmes pour mieux répondre aux besoins des uns et des autres. Donc, en ce moment, le monsieur du VVF tout à l'heure vous parlait de 510 000 hectares de forêts perdues. Peut-être que c'est largement sous-estimé pour le sud et l'ouest. Et en parlant de chiffres, j'espère que ça vous a choqué qu'on parle 40 000 hectares de reboisement quand on perd 500 000 hectares de forêt. Le bilan, c'est une perte sèche quand même. Et quand on aura planté 40 000 hectares de plantules, on n'a toujours pas une forêt. On a quelques plantules dans les terres. Donc, c'est vrai que 40 000, on a tous peur, tous les acteurs de la conservation. Gérard pourra vous le confirmer tout à l'heure, c'est pas simple, on n'a même pas les plantules en place, on est face à un défi extraordinaire. Mais on ne doit surtout pas oublier de protéger les forêts qui nous restent à Madagascar, qui elles contiennent la biodiversité. Et quelque part, c'est un deuxième élément qui nous fait peur aux uns et aux autres qui aimons nos forêts, c'est on va planter 40 000 et oublier le reste. Vous prenez les forêts de l'ouest, justement ces forêts de Kirindi, Antimena, Andranoumena. Vous plantez, c'est ce que je vous disais, c'est pas parce qu'on a planté 40 000 hectares de plantules qu'on aura une forêt. Mais si on met une allumette, tous ces arbres vont brûler, ces plantations vont brûler. Dans 10 ans, elles brûleront encore ces plantations. Les forêts sèches de l'ouest, et une fois de plus, c'est dans un paradoxe, si vous voulez les brûler, il faut les aider. Vous mettez une allumette, elles ne brûleront pas. Les flammes, elles vont un petit peu décoiffer les rizières, mais jamais le feu rentrera dans la forêt et détruira les forêts sèches de Madagascar. Ces forêts-là, elles sont vieilles. Et en 10 ans, 20 ans, 40 ans, on ne pourra pas reconstituer de telles forêts qui résistent naturellement au feu.
Et je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie ces aspects-là, qu'on protège nos forêts naturelles, parce que d'abord, elles renferment la biodiversité. Les plantations vont toujours héberger un truc ou deux, mais elles ne vont jamais, jamais faire les belles forêts de Madagascar qui, elles, sortent de bien plus loin. On a parlé de suivi, on a parlé de mobilisation des communautés locales. Monsieur Fanouiz, qui représente la Fondation Tanmeb, vous qui travaillez un peu avec les communautés, comment ça se passe sur le terrain? Comment cette mobilisation peut-elle se faire justement dans le but d'atteindre cet objectif? Merci beaucoup. Comme vous savez, Fondation Tanmeb, c'est une institution financière ayant comme cible les communautés, bien sûr, et une institution financière qui travaille avec normalement on doit travailler directement avec les communautés, c'est-à-dire que les subventions devraient être allouées directement aux communautés, mais pour des raisons que nous savons tous, les compétences des VOI, des structures locales de base, etc., on est obligé de travailler avec des promoteurs, des ONG, des associations qui ont des capacités techniques, financières pour gérer nos subventions. Comment ça se passe sur terrain? Moi, quand j'ai appris le thème de notre conférence, c'est pas débat d'aujourd'hui, forêt, économie et développement, ce qui arrive dans ma tête directement, c'est le tourisme. J'espère que dans la salle, il y a des représentants du gouvernement. Et c'est là que j'attire votre attention. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'opportunité de travailler pour un projet de la Banque mondiale qui travaille sur la promotion du climat des affaires. Et pendant cette période, on a décidé d'identifier des pôles de croissance. Et dans chaque pôle de croissance, il y avait des documents stratégiques qui a été élaboré par le gouvernement. Vous connaissez par exemple les schémas régionaux de l'aménagement du territoire sur lesquels donc chaque pôle de croissance devrait être focalisé leur moteur de développement en fonction de leur potentialité économique. Le problème à Madagascar, à chaque fois que nous changeons de régime, on change de politique. TSRP, MAP, là maintenant c'est l'émergence de Madagascar. Nous sommes actuellement en train d'élaborer le plan de l'émergence de Madagascar. Et moi, je pense que sur la base des expériences antérieures que nous avons expérimentées, c'est intéressant pour le gouvernement actuel et surtout pour les responsables, les décideurs étatiques dans cette salle, de bien clarifier si nous allons identifier comme secteur ou moteur de développement de Madagascar, pour quel secteur clé. Est-ce que l'agro-business, l'agri-business, la mine, la grande mine, le tourisme, je ne sais pas. La question se pose à nous tous. Mais si nous ne sommes pas clairs dans nos têtes, c'est plus difficile pour les investisseurs étrangers, aussi bien que pour les investisseurs nationaux, de choisir dans quel domaine ils vont se lancer pour le développement économique rapide et pour transformer Madagascar est un pays émergent. Vous voyez? Donc, moi, je ne voulais pas parler le petit secteur de financement de la Fondation Tanmeb avec une subvention de 25 000 à 250 000 dollars. Ça, on le fait depuis 20 ans. Et moi, je pense qu'il faut que le gouvernement soit très clair que le moteur de développement de Madagascar, c'est le tourisme. Et tout le monde contribue comme secteur prioritaire, le tourisme, l'agribusiness, la grande mine, etc., etc. Merci. Avant d'enchaîner, c'est très, très pertinent comme réflexion, justement, parce que il faut qu'on... Le modèle de développement, on en parle toujours, mais avant d'enchaîner par là, je vais m'adresser à M. Gérard Rambelorsou, qui est plus dans les aires protégées. De votre côté, atteindre cet objectif-là, comment vous le pensez, comment vous le regardez, cet objectif? Merci beaucoup.
C'est toujours difficile de parler en dernier parce que tout est déjà dit par mes prédécesseurs. D'autant plus que je travaille dans les aires protégées, mais pas pour le reboisement, alors que le thème est comment recouvrir Madagascar de forêt. Donc faisons un peu d'histoire. Que l'histoire de la foresterie à Madagascar, ça ne datait pas d'hier. Ça a commencé depuis l'époque royale, où quand le roi Anjanapulmirna faisait ses kabars, il interdisait déjà le feu et le défrichement, c'est-à-dire dans les années 1810. Et puis, vers les années 1860, il y avait le fameux code des 305 articles. Et si vous regardez, les 6 articles dans ce code sont des dispositions qui tendent à protéger la forêt. Et on fait un grand saut parce que Madagascar a été colonisé en 1896. Alors, en 1897, le général Gallieni a ordonné la politique de reboisement des Tampquets. Alors qu'en 1896, la monarchie Ouve n'était pas encore abolie. Donc, l'autorité coloniale a encore eu des problèmes pour la pacification de l'île. Mais pourquoi il y avait déjà ce politique de reboisement des hautes terres? Cela pour vous dire que la déforestation existait et était toujours un problème pour Madagascar. On a dit en ce temps-là qu'on perdait à peu près 200 000 hectares de forêt par an et on vient d'entendre tout à l'heure qu'on perdait l'année passée dans les 500 000 hectares. Donc, si on fait le calcul d'une moyenne de 300 000 hectares de disparition de forêts par année, c'est encore un miracle qu'il y a encore des forêts à Madagascar actuellement. L'autre leçon qu'il faut tirer de l'histoire, c'est que si on a commencé le reboisement bien avant 1897, mais pourquoi Madagascar n'est pas encore recouvert de forêts? Et si on prend la statistique forestière au niveau des eaux et forêts, la statistique montre que Madagascar est déjà recouvert 3 fois de forêts, si on suit les statistiques. Mais pourquoi il n'y a pas de forêt? Donc mes prédécesseurs ont dit tout à l'heure, on a pu planter même plus que 40 000 hectares. Et mes prédécesseurs ont dit, 40 000 hectares, c'est rien devant les 200 000 à 500 000 hectares qui disparaissent chaque année. Le manuel de reboisement de la FAO nous dit, avant de planter, pensez à l'existant. Parce que sur le plan économique, il est plus facile d'entretenir des forêts existantes que d'en créer. Donc, il y a mon collègue qui a dit, il faut être clair dans ce que nous on veut. Parce qu'on ne va pas planter 40 000 hectares qui va partir en fumée après 2 ans. Si on n'a pas des solutions pour les feux de brousse, pour les défrichements, on ne pourra pas avancer. Donc il faut, ce qu'on nous dit toujours, il faut bien apprendre ces leçons d'histoire. Parce que maintenant, si on dit on va mobiliser toutes les forces vives pour faire du reboisement, sache qu'en 1960, la Première République a dit le reboisement est devoir national et toute personne valide inférieure à 60 ans doit planter des arbres chaque année. Mais ça n'a pas réussi. On a déjà mobilisé l'armée, on a mobilisé les fonctionnaires. Donc, à mon sens, il faut bien apprendre du passé et bâtir les nouvelles stratégies et objectifs sur de la réalité, mais pas sur des déclarations. Atonga teo ato amin'ny ramatou Ravfonso Ravson, satria miresaka olona eny ampotany ianao.
manawon zay resaka valorisation an'ilay ala izay any amin'ny eny am-potiny misy an'izay asa izay tokoa ve tsy ampy ve ilay isaina mahatonga an'ilay ia ny vondron'olona ifotiny aloha dia misy ary atao hoe aktiva be ry zareo a amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary eo amin'ilay hoe valorisation izay zany dia mahita hoe rehefa ilay manao reboisement ireny tsika dia visibilité politika ihany mamboly tsika dia miala eny rehefa avy eo fa tsy misy mieritreritra mihitsy hoe ahoana moa izany nareo rehefa miala eo tsika eo izany no isariako ny saina izy terratera be ilay itenenako anazy hoe maninona moa raha ilay vola izay ataontsika hoe investissement hoentin'ilay organisation tsirairay mandeha makeny a amena n'ilay vondron'olona fotiny hahafahana mikolokolo ahafahana manao entretien an'ireny a azo volena ireny satria raha jerena mame ohatra hoe rehefa andeha ambole azo indray mandeha ny ao amin'ny faritry mena be mety misy tômôbila dimampolo mandeha makany dia tsy haiko hoe olona firiny ao anatiny ireny a ohatrinona izany volalany amin'ireny a anefa tsika mandany an'izay vola izay nefa ndreva avy eo ilay azo tsisy maniry satria tsika miala fotsiny eo izany nisariana ny saina hoe manena moa raha valorisena amin'ny alalan'ireny ireo communauté de base ireo ny akoatran'ilay hoe manao entretien sy ny suivi an'ilay izy moa izany a dia ilay fiarovana ihany koa andreo azo ireo mba tena aniry eo amin'ilay valorisation ihany koa izany a misy information mandeha ihany avy any amin'ny communauté hoe tsy consulté akoryny izy mahenao an'ilay fitarainana fitenenana mahakasika an'ilay hoe tsisy tany ambolena raha consulté hatrany amboalohany ny communauté hoe misy zavatra atao ohatran'izao aty a dia mety mipotra eo ihany hoe misy toerana azo anaovana fambolekazo any amin'ireny ambanivohitra ireny satria raha ohatra ny any amin'ny ame ohatra hoe any amin'ny faritry mena be fa ny eto Antananarivo moa raha eto amin'ny ville eto a izany tany ambolentsika azo fa tsy maintsy any amin'ny sisiny ihany misy ambolekazo fa raha ohatra ny hoe any amin'ny faritry mena be a misy fotoana tsy consulté akory n'ilay communauté nefa izy koa lazaina fa hoe tompony asaina miaro izy dia lazaina fa tompony a tsy mahita n'la retombe akoryny izy makany aminazy na dia la commune ary izay anaovana an'la ohatra ny hoe fitrandranana la fambolena dia tsy misy retombe akory mitsofoka any aminy any ka tsy mavitrika ary zareo a miaro an'ilay arena voajanaharitsika io moa izany atsika ny tenenana anazy satria atsika malagasy fa ny olona ny fotiny nefa ny tena akaiky an'la izy dia eo izany ny sariana ny saina hoe aleo a raha ohatra tsika amboly azo voalohany aloha aleo aloha arovana la kely sisy eo e tsy mahasolan'ny arena ala voajanahary ange ny reboisement e fa aleo aloha arovana la kely sisy eo dia rehefa amboly indray tsika dia homena teknika izy sy homena moyen ireo le vondron'olona ifotony ireo ahafahany manatanteraka anazy ka ho sarotiny izy a amin'izay fotoan'izay contexte toy i monsieur Njaka Ravelomanatsoa hoe amin'izao fotoana izao miverina any amin'ny resaka natiora dia nefa nitsika koa misy an'ilay vision izay napetraka hoe amboly efa 40,000 hectare par an efatra alina hectare isaky ny isataona ho anareo ao amin'ny ekonomiste de l'environnement ahoana ny fahitanareo an'izay vision zay ahoana ny fahafahana mamadika an'izay ho asy aty atsehatra ny zava-dehibe a raha ny fijery hoe amin'izay anatin'ny économie de l'environnement zay dia ny resaka le fahavitrihana teo zay angamba ny andikako an'ilay hoe incitation économique miainga amin'ilay incitation économique daolo zany na le ala hoarovana
naléala ou amblin, naléala missi avzopesanazi amresaka huile essentielle lato, incitation économique taoul zaizavache. L'incitation économique nous mamarcha ni nous a ni fietskin tsirarei, un comportement tsirarei, manlona ni ala, mandona ni tutulianen. Araka volas do refa misy tombontsoa anao a tsy misy zatra tsisy otrany hoe trano otrany hoe trano vendeo toranao fotsiny io refa anao izay aloha voalohany refa mitondra zavatra mahasoa anao izay service écosystémique volana teo service environnemental teo izany hoe misy tombontsoa azonao mifantana averiko any izany hoe misy le valeur économique fara valeur économique tsy mivadika ho tombontsoa dia ohatrany hoe izay le izany ohatrany hoe anarana fotsiny ny fiteny dia izay no mahatonga zany a raha mijerintsika zao ohatra hoe reny misy hoe programme red plus ohatra resaka carbone dinina moa ireny fa ahafahanao manampy manome tosika manome risika ny mpiaro ny ala na zay maharo ny ala omena famatsiana ary io tsy famatsiana melofa famatsiam-bola na natontsika hoe fandoavam-bola ao arinana fanamarinana anankiray aloha tena tsy nentsika tokoa ve le ala ohatray ny tiako antogavana zany de hoe misy an'izay le resaka incitation économique zay raha jerintsika ny ivelany a ohatra hoe ny any Costa Rica zao a resaka motsika teo am'le resaka hoe izy any tompon'ny ala ny any zao ny any Costa Rica tonga de lay propriétaire forestier zany hoe le tompon'ny ala mihitsy no resahna hoe zao a reto ny contrat anareo raha mahavita andreo nareo de mahazo vola zay fotoana zay zany mazavabe la incitation économique fa rehefa tsisy tombontsoa azonao toa de mivaingana la izy a de fantatra hoe misy arakaraka ny teniny avotiana teo hoe misy tombontsoa iny raisina amin'ny resaka rano amin'ny resaka régulation ana climat sy ny sisa fa rehefa tsy azonao mivantana amin'ny resaka vola la izy a de eo zany zavatra no eo le olana no mitranga ka zava-dehibe zany na ohatra hoe le huile essentiel vo resaka teo amin'ny resaka sehatra tsy miankina na amin'nyresaka eo amin'ny resaka vondron'olo le fotiny amin'le communauté locale ny fisiny la incitation économique io ary anisan'ny tsy de nampandefiry ny resaka vondron'olo le fotiny teto amintsika zany amin'ny resaka fiarovana fitantanana ala iaraha amin'ny tantany de noho izay le resaka incitation économique tsy mipetraka tsaray napetraka fotsiny ohatra hoe communauté de base gelose sy ny sisa de andao nareo a hiezaka asiana filière économika eo akaikinareo na fa rehefa tsy tena misy tombontsoa mivantany zay tsy miteraka vola ho an'le olona de izay zavatra misy tombontsoa aloha no andehanan'le olona zany amin'izay fotoana zay de izay hoany mahatonga ny hoe misy zany amin'izao fotoana zao a miteny vahiny hoe instrument économika napetraka misy ny antsoina ohatra hoe paiement pour service environnementaux zay ahafahany zany mifandraraha mivantana amin'le olona hoe ay nareo afaka miaro an'io ala io na nareo afaka mamboly hazo de misy vola homena anareo zany tonga de mivantana zany amin'izay fotoana zay mety afaka resahan'ny avotianao raha avy ohatra hoe misy zao ny ohatra hoe programme padap zany a zay sady agriculture ny forêt miaraka ao anatin'la izy a misy zavatra maromaro afaka resahanao anatin'izay ohatrany te hiréagira kely monsieur jaka ea ohatrany hoe miverina foana la tamin'le débat teo aloha teo zay le efa manomboka forêt angamba mahatonga an'izany hoe miverimberina foana le hoe tombontsoa za fa somary miala kely amin'le maha orinasa amin'le ihany satria manjary tery loatra ny sako raha vao zay foana ny resahako eto fa mihitatra kely amin'le resaka hoe reboisement satria ny reboisement tena rehefa janina le velaratany sy le anatyo dia mampalahelo be le izy mampatahotra fa ny tiako atao zany raha zany ny sosokevitra ohatra ny somary za tsy tena mpanao lalàna na inona fa ny a tsotrabe ny a hoe ny fanana tany mihitsy ny tokony hojerevana hoe be dia be no miteny any ambanivohitra any hoe solampangadika io dia tany ko fa izay fananany an'le tany zay a hazo ray no dikan'izay eo ambonin'io ny nambolieny ary hazo ray efa mitsipozipozy vo foaty amin'izao zany ny fanana tany raha ny fiveriko azy a tokony ampiarina izay ampiarina lalàna hoe raha tsy misy hazo ohatran'izao eo amin'ny taninao a dia tonga dia afaka aminao zay ny olana amin'izay mesure zay dia tsotra
ny olana tsatateran izany za tsy voazany mety namorona izany fa ny olana amin'izay dia satria ilay olona ametraka an'izay lalàna izay a mbola ho vidiana afaka dimy taona afaka efa taona ka tsisy saikitikitika an'izay fa tonga dia lasa contre ny lasa tsy olany ntsony izy izay ny olana goavana tsy amin'ny ala rery fa amin'ny zavatra maro a eto amin'ny firenentsika dia misy an'izay olana efa fantatra fa tsy azo ampiarina satria lay olona mampiatra azy tsy olany vidiana rehefa avy eo raha izany izay faharoan'izay a raha ohatra ka resaka reboisement fijeriko azy a raha ohatra ka ny volana ampiasaina nandrindrany PE2 PE3 PE4 tsy fantatra tsony ireny a nandrindra firy taona no jerevana ny fomba nandaniana azy a dia ozy a hoe tena volana ripotsiny raha ohatra ka hoarina amin'ny hazo naniry nandrindrany programma ireny zaho zany miverina amin'ny sosokevitra manampikely ny sosokevitra ny namako tato akaiky tato hoe ahoana ny fomba ahafahana mahatonga an'ireny vola mitobaka ireny a enjeran'ny olona ny fotony mpamboly hazo sosokevitra dia tsotra ampamboleo hazo ny olona dia vidina ny hazo hatrany amin'ny pepiniera ny pepiniera vokatra eo ny vidina amin'ny taona ray dia rehefa milatsaka eny amin'ny tany io dia misy vidiny ray dia afaka heritaona io dia misy vidiny ray a dia misy vidiny ray ny afaka roa taona mandra-patonga anazy dimy taona mametritsika hoe dimy taona zany hoe mamboly ny olona dia vidina ny hazo vidiny ny fanjakana sy ny bailleur de fonds satria raha ohatra ka mipepiniera rery ny vidinao a afaka heritaona io dia efa tonga dia maty sady satria tsisy manaramaso tsisy mampambony tsisy mamboly rehefa milatsaka any amin'ny tany ray io a raha vao tsisy valeurany io a dia tsisy manaramaso zany hoe asiana valeurany zany jusqu' hatramin'ny izy a tonga ataontsika hoe zany mametraka fotsiny dimy taona fa misy sientifika mety mamaritra tsara hoe kazakazo ohatran'izao tokony zao nofa efa azo ambolena ny azy zany tonga dia teratera ohatra izay hoe ny fampiasam-bola mihitsy a no tokony avantana atao isy an'la intérêt la intérêt zany tonga dia ataoko tsotra be mihitsy amin'ny fambolekazo mivantana ataovy metraika any la izy a fa araka ny teniny francis turbo zay na valala io raha tsisy tsony io rehefa ohatra ka atao fotosakafo fa rehefa hidiram-bola koa azo io dia ampanirin'ny olona io a tsy mamenatra ny olona tsy manana any ambanivohitra nge tsy mananasa ny olona tsy manambola tsy manambola ny olona dia lasa manaonao foana izy fa na izany nasy zany ny olona tsy azo avela amin'izao hoe terena fotsiny fa tsy maintsy aseho aminy fa iny vola iny a tsy katikaty raha sy gazoal tonga any manao fihetsiketsehana la projet mialatsiny aminareo projet zay tonga manatrika eto a fa katikaty raha sy olona firy anjato ny tonga any vazava ny tanava any an-dafy vao ho telopolo a iresaka hazo kelyna ray hektara ambadika eo satria zany ohatra zany la mandany an'la vola ka ozy hoe tokony hojereny zany tsy fantatra izy ny antifany zany resako zany fa ohatra manao torapo angamany amin'nysotra to misaotra anao fefa natsidika eo sady le iny ty izy teo solution na hoe karazana iny ty izy vaaolana azotsika entina fa te hiverina kely atsy amin'ny madama ko amin'la resaka instrument ekonomika andresahnao teo raha mba azonao resahana kely aminay vetivety ny momba zay ekonomika afaka zavaina kely fa zafady le instrument ekonomika tianao ny resaka ianao teo hoe le avadika ho tombontsoa la izy a misy instrument ekonomika ozy ianao efa napetraka ina fa la projet ok misaotra tompo ny raha ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jaune manokana dia efa tamin'ny nanomboka tany amin'ny 2006 tany a tao anatin'ny antsoina hoe fanatanterahana ny lettre de politique a de programme bassin versant périmètre irrigué no efa niditra an-tsehatra zany tamin'ity resaka hoe fiarovana ny tontolo iainany ity a sy sy fanatsarana hatrany hatrany zany ny teknika rehetra amin'ny fomba fambolena raha tsy teny fotsiny a tao anatin'izay teo amin'ny 5 taona teo zany a dia nisy ny atao hoe programme bassin versant périmètre irrigué dia nisy ny antsoina hoe projet pur saps a nisy ny antsoina hoe mety fantatritsika ihany koa ny programme de lutte anti-érosive a izay mbola mitoy hatramin'izao dia amin'n'izao fotoana izao efa natao hoe nanomboka tamin'ny 2017 tany a les lettres de politique à bassin versant périmètre irrigué a somary ny tarina kely zany ny sehatra nesana tsy mijanona amin'ny resaka hoe bassin versant eo akaiky ny
manakaiky ny tanimbary ihany fa tena miresaka mijery manokana mihitsy izany ny paysage agricole paysage agroforestiera mihitsy izany ministeran'ny fambolena amin'izao dia izay les programmes PADAP, c'est une récente, et M. Fan, c'est un élu teto, c'est un nombre qui est en 2017 ici. Nous avons été une action environnementale, c'est un temps, 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 c'est c'est un peu comme ça, on a des forêts, 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 ni ram resaka an'ilay hoe 40 000 hectares tsika ao anatin'ny herintaona raha izay ao ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny jono angambany tsy dia tena hoe hiteny hoe ho tratra izany na tsy ho tratra fa raha ny objectif atratra anay izany izao atao anatin'ireo tetikasa izay nyresahako teo ireo atao anatin'ny 50 taona dia manodidididina eo amin'ny 30 000 hectares ny vitanay ny reboisement. Et oui, quelle est cette pétaka, c'est un homme singe, un petit côté de la femme, oui, ça va te péter, oui, mille à manouet, c'est qu'il y a un reboisement, afin à miage ni tout le lien, afin à miage ni infrastructure en apetaka yankyo. Un petit côté de la femme, on a tous les manonas et objectifs, c'est une fin de canne, fa yo yankou le oui. Wapitomboana ny velaratany ambolena fary ihany koa ahoana ny eo anelany ny toko hoe fahitana ny fandrindrana an'izay zavatra anakiroa izay izany satria rehefa miresaka tany teo olana tsika koa manana ny resaka tsy fampiana ara-tsakafo fa ahoana ny tadavantsika n'ilay équilibre entre teo anana environnement tsara, teo ampisakafo, teo anana tany, misy zavatra betsabetsaka ao anatiny. Ia, ny le hoe ampitomboana aloha izany ny velaratany ambolem-bary eto Madagasikara dia ataoko fa ny fambolem-bary aloha izany efa fantatrisika rehetra fa eny an-tanimbary resaka culture irrigueny resahana eny an-tanimbary ary misy ny disponible ahafahana manatanteraka an'izay le hoe fampitomboana ny voka-bary izay fa any amin'ny lafiny infrastructure hydro-agricole ny tena mila ohatra ny hoe financement lehibe sikoavana izany ahafahana mba manatsara an'ireo tanimbary ireo a ahavokatra an'izay vary ilayntsika eto anivon'ny firenena fa araka ny resahako teo hoe ny zavatra ohatra ny hoe lamody izany izao lamody na eo au niveau an'ny bailleur de fonds a na ihany koa amin'ny lafiny hoe développement durable a dia le zay le hoe approche paysage izay mila miconsidérer ny paysage antsika misy partie mety hoe toerana tena hoe anaovana conservation pure et dure amin'ny resaka forêt a dia misy partie a anaovana resaka agribusiness ny resantsika tamin'ny maraina ihany koa ohatra izany a misy partie anaovana ohatra hoe ny toerana izay misy partie izany anaovana restauration na paysage agroforestier a dia misy ihany koa ohatra hoe le toerana tena mangadiady be eto amintsika ireny a anaovana tsaiko ohatra hoe régénération naturelle assistée na mise en défend hoe tsy tokony ho ampiasaina ireny toerana ireny anaovana pâturage na fa tena hoe tonga dia hoe tsy azo ampiasaina mihitsy n'la toerana ireo hoe fefena tsy azo hidiran'ny biby fiompy a misy partie nefa tena tsy maintsy ilana n'la firofan'ny biby fiompy ihany tsy maintsy harmonise tsika izany ireo rehetrarehetra ireo e fa tsy afaka hoe tonga dia tonga dia hoe natao an'ny forêt daholo fotsiny natao an'ny agri daholo fotsiny.
Mialohan'ny anomezana ny fitenenana ny mpanatrika angamba ny farany inona ara ny mety hoe sosokevitra très rapidement lefa tsika makany fotsiny afahana manatanteraka an'izay hoe tena ala azo ivelomana sy nefa tsy manimba ihany koa. Ea, ny angamba raha izay ny zako fitinina ny zatra resako teo hoe ny ahy zany ny fampandraisana anjara nyretraretra any amin'ilay fambolekazo sy ny fiarovana ny azo ary ny famezana valeurany azo ireo zany samy izy daholo ireo a araka ny tenenao eto hoe tokony hojerevana tokony isy fivoriana fionana ohatran'izao foana any anivo amin'ny commune nany a tokony isy zany tokony ho teraka tsy ilana pôzy tsy ilana fandanim-bola be fa tokony hoezahan'ny fanjakana sy izay mpiasehitra rehetra any ONG ny hananan'ny olona risipoa hiadevitra fa raha tsy misy adevitra any fotony ty resaka ity fa atyan-Tananarivo ny adevitra dia doatra ny nandritra ny folo taona lasa zay zay ny tena hitako zava-dehibe indrindra amin'ilay izy a dia faharoan'izay le hoe sy valeurany io ala io a ataovy mikasika ny olona ny fotony valeurany raha ho anay société a dia zay mahatsapa mihitsiny a fa ny any ambanivohitra any tompoko a dia tatsaha efa tsy manana efa mitady vola any ny zavatra ataona ihany zany a dia miteraka revenu mba teraka an'lay olona ampitombony revenu iny fa tsy ampy fa tsy maintsy misy a ny zavatra hafa koa dia tokony zay iny mahatonga anay manao ny sosokevitra teratera teo mety azo amboarina kely iny fa nisy fotoana teto amin'ity fanjakana malagasy ity efa nisy an'izany bakipitolomany zany hoe hazo ray a sekoly ray tamin'izany andro zany tsy daditiko tsony izy aminisitra tamin'izany andro zany minisitry ny teto madagasikara tamin'ny fampianarana angamba zay zarazara ny zavatra ohatran'izany no hahazahoana tsy 40,000 hectara fotsiny fahazahoana millier d'hectara de plus asiana politika somary manery a dia any amin'ny sasany ray a politika misy adevitra any amin'ny sasany ray a politika misy fomba maromaro zany mila ampiasaina fa mila jerevana daholo ny mpiasehitra rehetra hoe inona no ahafahan'ireo tatsaha reo a ahafahan'ireo orinasy reo a ahafahan'ireo mpitondra fanjakanyireo a ho motive na ny mpitondra fanjakana ny fotony ary ange tsy motive tena teneniko anareo zany a miresaka député nareo miresaka merinareo fa tsy raharahany zany ala zany tompoko satria tsy mampiditra volanazy fa rehefa angataka autorisation any amin'ny forêt ianareo a dia mahazo tombontsony fanjakana amin'ny forêt dia mikarakara izy fa ny any amin'ny député ny maire sy ny président fokontany tsy kitay ny mamay anazy a dia any izy fa rehefa tsy misy kitay dia tsotra. Mizara an'izay ve ianao sa marana sosokevitra hafa? Eka, mety mifanakaikikaiky amin'ilay zavatra ho resahako ny zavatra nyteneniny teo hoe mila mametraka vision iombonana mihitsy ntsika zany raha ohatra ka anatanteraka an'ity de hoe le izy tsy mijanonao vision fotsiny fa hoe ahoana no anatanterahana an'izay a mba tena izy tokoa le hoe développement durable resahana eto foana dia anisany koa zany a ny volonté politique an'ry mpitondra satria izy no manao ny leadership an'ilay izy dia tokony ho porofony hoe tena zavatra ho tanterahana tokoa zany ilay izy dia ny anankiray koa eo amin'ny resaka décentralisation zany tokony ho jerena ihany eo anatrehan'izay a mba satria ny anisan'ilay amin'nytean'ny olona ny oalio le tenenintsika teo hoe mety hoe mety fa tsy ampy ny infrastructure rural reny ouvrage manondraka reny zany a resahan'ny tao mahepa moa izy teo tokony izy a décentralisation ana moyen sy infrastructure koa zany tokony hojerena akaiky ny mahakasika an'izay fa ho anay ao amin'ny firaisamonim-pirenena zany dia manindry mafy hoe mila miainga any amin'ny base ilay famolavolanan'ilay vision a miainga avy any fotony a mba ho approprie ilay izy a mandehamandeha jusqu' hatrany ambony dia ny éducation zany a civisme satria matona ny autorité ara ny tsy miraran'ilay alatsika dia tsy ampy civisme tsika izay aloha zany iny hitapoka hitam-pirenena iny fa
ohatra ny jerena fotsiny na dia efa mitabataba raha société civile isan'andro isan'andro hoe ahoana ny anaovana nyity ala ity na hoe andao ntsika hiara-hijery zay stratégie anaovana nyity ala ity a tsisy miaino dia izay nataoko hoe tsy ampisivisiny tsika izay ny tena marina dia eo amin'ny resaka gouvernance ihany koa izany a ny lalàna dia natao ampiarina aminay izany criminel ireny mamodika ala be fahatana ireny a tsy mijery an'la valeur écologique dia rehefa izay izany ilay izy dia ampiaro aminazy ny lalàna izay izany ny sosikevitra avy aty aminay ie raisika an'ilay voaresaka teo izany raha mahita izany sika amin'ny ankapobeny a nisy fomba roa atao hoe noentina hatramin'izay na izy izany lalàna dispositif réglementaire dia tsika angamba mahita hoe mahomby sa tsy mahomby izay zavatra izy zany hoe izay izany ohatrany hoe fanjakana azo ataoko ohatra ny hoe mipropriété de l'état ohatra ny ala dia izy mandrindra azy zay zany hoe réglementation a afaka mahomby a afaka tsy mahomby ihany koa tsika angamba miara mahita hoe sarotra mampiatra an'ilay izy satria ny fahafahatsika mampiatra an'ilay lalàna mihitsy no olana izany amin'izay fotoana izay mety mahomby izy any amin'ny toerana hafa tany hafa teto amintsika izany a sahirantsika fomba ray faharoa hita ihany koa na resaka politika environnementale tsika amin'ny ankapobeny a dia ndresaka ilay fanentanana sensibilisation gestion communautaire fiaraha-mitantana amina vondron'olona dia hita ihany koa fa tsy hoe tsy naomby na naomby fa voafetra ihany ny vokatra azo amin'izay zavatra satria miverina amin'ny resaka teo foana hoe tsy mipetraka tsara ilay fanomezana fahavitrihana ilay incitation économika teo lay zavatra metraika amin'ny vantana amin'ny olona no mamaritra ny zavatra ataony comportement amin'izao fotoana izao izany a misy ataontsika hoe alamode moa izany zay ngamba nyfitehana azy izany hoe manomboka me mahazovahana ny amin'ny teny vahiny izy hoe approche directe approche économique directe dia leny lazainy ny avy ato amin'ny filolona teo izany hoe tonga dia mivantana ny resaka tia ny zavatra ataonao tia ny zavatra azonao amin'izay fa tsy moa izany tsy hoe miolakolana izany na hoe somary zavatra indirecte araka ilay nyteniko teo hoe teo aloha asaina miaro ny ala ny olona fa eritreretina hoe ahoana ireny tsy andehanany mamikitika an'ilay ala andao ary jerena hoe ahoana ny ampitombo ny productivité any resaka vary andao ary asiana resaka filera tsy haiko banane huile essentiel ny zavatra ohatra any fa tsy tena mivantany izay zavatra ay dia raha vao misy rehefa tsy tena hitan'ny olona ilay tompo tsy ho azo amin'ilay izy a dia tsy maintsy miverinao amin'ilay ala ihany izy ny amaranoko azy fotsiny hoe amin'izao fotoana izao izany izay ilay approche directe izay a raisiko ngambaneto amin'ny resaka efa nantsitika kely atao resaka red plus carbone izay izany izao a tonga dia hoe famatsiam-bola miainga amin'ny performance anao amin'ny resaka déforestation vo resaka ao anatin'izay anisan'ny ratsa mangaika sy voankasika ao anatin'izay ny communauté locale lasa ny resaka commune misy vola izany a misy schéma de répartition lay vola azo io on parle de dizaine quelques dizaines de millions de dollars ao anatin'ilay izy io a tsy hoe araka ilay teny teo tsy hoe projet izany fa tonga dia misy vola mivantana miditra amin'ny fanjakana tokony mankany amin'ireo ilay commune sy ny communauté locale lareo a miainga amin'ny performance miresaka déforestation io izany a tokony misy ady hevitra vo resaka teo moa aloha ady hevitra any fotony dia tokony hidira mihitsy zany izay ady hevitra any fotony izay hoe iza miaro ny ala na ahoana ny nazona an'izay performance amin'ny resaka déforestation izay a dia misy vola zany izay resaka faharoa mahakasika an'izay approche directe économique izay le paiement pour service environnementaux teo red plus moa izany a azo atao eo anatin'izay any fa mety afaka resahany izay rehefa veo rehefa eo amin'ny fanontaniana avy any amin'ny publika madame antarabe fariko eto a pse rano ohatra ny
misy misitraka an'ilay resaka régulation na resaka rano teo ohatra hoe mipitrandraka ny hydroélectricité na ny resaka rano fisotro manana tombontsoa izy a ho voaro a ny sandrika bassin versant raha tiany ho voaro ilay sandrika iny a dia tokony mipehe izy zay le paiement pour services environnementaux tokony mipehe izy an'izay olona mitantana na miaro an'ilay sandrika dia eo zany mipetraka le zay le approche directe asa économika atao misy ohatra vitsivitsy efa manomboka mandeha eto Madagasikara amin'izao fotoana zao a amin'izay resaka PSEO zay dia azotsika resana reo avy eo raha ohatra hoe misy moa fotoana na misy ny fanontaniana raha aminao manokana raha ohatra hoe isika zao zao samy ao anatin'le atao hoe anatin'le domaine dia samy resy lahatra hoe ilaintsika le ala fa raha ohatra hoe andeha midikidina any ambanimbanivohitra isika na olona tsy ao anatin'le domaine mihitsy raha aminao manokana dia amin'ny fomba hoana ny andrisihantsika sy anentanantsika an'ireny olo ireny a amin'io resaka fambolen-kazo io misaotra betsaka izay mihitsy ny saika resako teo hoe isika nge samy efa mahafantatra hoe matoa isika tongeto izao a dia samy fantatra hoe samy efa mahatsapa hoe ilaina la ala ilaina ny mamboly fa ireo izay nyteneny mirindra teo izao hoe misy ny mandoro ala tsy tsika ireo nge ny nandoro ala e tsy amintsika ireo la izy fa any anatin'ny ala any zareo any alavitra be any zareo noho izany zany a isika ireo anisan'ny eto zany zao ohatra ny hoe karazana pépinière fotsiny fa isika ireo ny tsara raha ohatra ka manao vacance tsika ohatra mba mandehana mitsidika an'ireny alajavamboaritsika ireny ary aza mijery fotsiny hoe andeha dia gidena olona gidena gida dia hijery mahafinaritra mijery an'la zava-mananaina antsika ilaina mihitsy mahita azy satria ny vahiny ara mahita azy fa mba ilaina koa tsika miresaka amin'ireo olona mipetraka manodidina nyireny ala ireny anisan'ny vo anankiray isika zany a entina mba hisensibilize an'ireny olo ireny ihany koa hoe zao ange ilaina ange ny ala misy ny atao hoe reboisement misy ny atao hoe fambolen-kazo a ahoana efa nieritreritra an'izany ve nareo a inona ny tombontsoa azo avy amin'ny ala tsy ilay tombontsoa direkta hoy aho no ilaina fantatry ny olona satria ny olona mahafantatra an'izay tombontsoa direkta izay daholy satria mivarotra azo izy ohatrany fa le tombontsoa izay tsy fantatry ny olona no ilaina mba hampifantarina azy hoe manana tombontsoa afaka ohatran'ireo efa fantatrareo nge io ala io ary nareo ihany nge no vo raha toa ka lasa nge io ala io ny olona any am-potiny any dia efa mahatsapa hoe miena ny orana mekely ny vokatra azo satria tsisy orana firintsony fantany hoe ny ala ny mahatonga an'izay hoe simba ny ala fa efa tiariana efa izy efa tapaka izy efa may efa lasa tanimboly la izy a vao mahatsapa izy hoe ay ilaina la ala dia amin'iny izy zany no ararotina hoe mba mety koa nge ny fambolen-kazo ilaina koa nge ny fambolen-kazo afaka mamboly azo koa nge nareo dia amin'iny zany le sensibilisation an'ny olona izay eny am-potony mihitsiny zany ny ako a no ohatrany hoe tiako ampirisihana satria ireny nge ny mpamboly nge dia plus de 75% atsika eto madagasika olona eto madagasikara e fa tsy itsika hoe ao anatin'ny entreprise anankiray isika dia mandeha mamboly ny entreprise dia ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny entreprise mandeha mamboly daholy vao miresaka antsika hoe reboisement dia tokony ho ao anatin'izay ny resaka mobilisation e suivi tiako tenenina amin'izay manao tsika zao manana motivation tsika hoe ndeha za na reboisement hamboly azo a fa io azo io araha tsy vita karakaranao io a tsy vitanao ara-maso tsara io a tsisy dikany any nanatsatoanao anito satria maty io rehefa avy eo dia fahatelo manarakaraka an'izay tiako le fomba firesakatsika rehetsaretsa nanomboka tamin'ny maraina teo ny resaka tsika rehetsa hoe approche de communauté de base zay daholo ny solution ny proposeny retsaretsa teo marina zany zavatsy zany ary zao ny tiako isotomana antsika ny fahamarinana araka ny teniny namana tatsy hoe
fiera kokoa ianao a raha ohatra ka ianao ny tompon'io zavatra io, ianao ny nanatsatoka an'io zavatra io, fitakolokolonao kokoa io. Dikan'izay reo communauté de base reo a reo no tena mipetsaka manodidina an'io ala faritsarovana potika io. Tsara ary vahaolana hitako hoe aomby na tsy ho zato isanjato angambany fa mety ho valopolo isanjato raha ohatra ka ampandraisina an'azy ireo an-tanana ny tena zany fambolen-kazo izany, satria eny fotiny izy ireo a avy nanatsatoko an'io azy ory zareo a manana fotoana zareo, satria eo an-toerana izy a hanaramaso sy hikolokolo an'io zavatra nambolena io, ary efa atolotsazy mivantana ilay izy satria atitra hoe anao io. Tsika rehetsareo angamba ny mety samby nandalo zazakely daholo, fa rehefa zavatra no atao hoe anao io a vitanao tsara mikolokolo an'io. Ataoko angambany fa tsisy afaka andaha izany tsika rehetsareo. De manarakaraka an'izay a manana izahay tonga de raisiko tsy avetsana io association fosa io, eny fotiny izahay ny miasa ary association des jeunes tsy manana resaka financement na bera de fond zahay a, fa fantatsay mifampitena misy ary ny hoavinay tsy hoaviny zanjony aorina ary ny taranaka ihany afara ny tena tsinjovinay, saingy indrisy tsy manana moyen zahay a, tsy ampy moyen zahay a imotivenay ny tenanay sy irealizenay n'izany action de reforestation reboisement zany. Tamin'ny herinay a efa nanangana zahay pépinière ary manana an'izany plan d'action zany zahay ao, fa hanangana pépinière isaky ny fokontany rehetsaretsa ao anatin'ny faritsy mena Biantimena. De rehefa tafavoaka zay plan zay a de ohatra hoe raisina ohatra ao amin'ny fokontany ray, ohatra hoe Lambokely satria fokontany anisan'ny cible zany raha ao anatin'ny faritsa arovana mena Biantimena fa tena potika ny alan'izany fokontany zany, nefa efa misy jeune eo an-toerana vonina izy a hanarina an'izany saingy tsy manana moyen izy. Mametsaka tany zanakazo zahay ary efa ao anatin'ny plan d'actionnay izany, ary ny zanakazo tafavoaka sy mitsiry eo amin'ny fokontany io de anarenana ny ala simba ao anatin'ny fokontany io. Motive kokoa le olona amin'izay satria ny tsika koa manana an'izay culture zay indrindra fa zahay any ambanivohitra, raha ohatra ka hoe zahay zanaky le ray aman-dreninay no nambola an'io zavatra io satria ny izy ihany manimba an'io zavatra io e, tsy afenina amintsika zany fa misy antony nanimbany an'io zavatra io a. Ny antony de ao ny fivelomany, tsy mihinan-kanina izy raha tsy ao, fa kosa raha ohatra ka hoe zanany mikolokolo an'io zavatra io, ohatra hoe nanao reboisement ny association fosa ao anivoan'io fokontany io ny jeune zanany daholo any eo anatin'izany fikambanana zany e, mety manana difficulté kokoa izy animba n'io ala io hoe ny zanako ve manatsara de za animba ray aman-dreny izy ary manana an'izany fomba fisainana zany zahay ambanivohitra. Ataoko angambany hoe approche de communauté de base a ny tena vahaolana tsara hanarenana ity fahapotena ity faran'izaingana. Sotsa tompoko voalohany indrindra alohan'ny resantsika an'le hoe anamboly 40,000 hectara ny misy zavatra ray tokony resantsika koa le hoe ahoana no fitazomantsika an'le forêt efa misy le ala efa misy zao ny gestion durable ny forêt naturelle, satria ny forêt ny ala naturelle manana valeur écologique ngeza no ala amboly ny reforestenoma ny olombelona zany, de dikan'izany hoe tokony manao gestion efficace sy durable any forêt efa misy zao a alohan'ny manomboka manamboly forêt 40,000 hectara hafa, satria ny ressource tena mafy eto a Madagasikara le forêt efa le ala efa misy. Ohatra hoe ahoana ny azonavantsika an'izany a, ohatra hoe création na base de données amin'ny forêt amin'ny ala efa misy amin'izao, inona ny situation tena misy ohatra nytenenintsika tamin'ny voalohany teo a secteur informel la bely izy a de sarotra be ny afantantsika hoe inona zao ny situation actuelle, de tokony zay miara-miasa ao anatin'ny reforestation rehetrarehetra tokony hiasa hoe ahoana ny anaovantsika ny type base de données community ho an'ny Madagasikara. Faharoany a le ohatra ny teneny faralala teo ny système de suivi a tokony instaurentsika système de suivi efficace miaraka amin'ny communauté locale,
Sachi, les tika panaita taolo we ocha we entreprise mambuliazwa makasaria tafu mandesa le tis suivi tis mafata chwe la misi ou manichaka le vocas na zavocha nzan te inkuzan tukinwe misi asapia no vana ni gestion ni forêt sawa c'est voué manambuli an le 40,000 hectares par an awan si tafu la ocha we le manambuli an le 40,000 hectares par an awana ni ano vantika we tuni ala faut planter un tika aona ni atowe ba manir saralise faut loania tukni impliquer dans les communautés locales au chan tenentika to aona ouachawe mano création la chaîne de valeur ani produit faut kan ideal inzan tenawe façon à impliquer dans les populations locales là on a les projets ça tire là tu t'affiches on a les projets d'enreboisement, les populations locales là, on a des 500 000 hectares par an dans ton tika, ti manière ça, le hasard ça ti, les populations locales en pechaké toi tika en pechaké aujourd'hui toi t'en arrives quoi, faut les ou l'en pechaké on a des les à la reine, mano protection hein, si entretien reine à la reine, tout ni valoriser tika cool les à la ou en population locale la ten tika, la aujourd'hui ça l'un tout que mano les suivia et tout qu'une mise retour coup hein ça là si même mise solution à court terme si long terme à une population locale ou à la solution en acraya c'est en tout cas ni accès à un produit à banyala ou à un marché ou à travers les populations locales là mamboulial des mise exploitation à zone avanania à on a ni facilité en tout cas ni accès au marché en production reine avoir à on a ni incité na si motivé nul la novana un nouveau reboisement si menti ni fanzakana zania tout ni manau instauration na cadre défini ouais un nouveau favorisé na ni reboisement ou à l'intérêt ni faralato ni accès au financement ça va cha ça chape ni accès au financement reboisement tu veux tis ça gamania tia te quoi en les besoins ni ou la terre nos projets na reboisement ou à cha exemple un agré foot un petit mais si raoucho et tas ou financement on a projet avant ni exemple tia agence française de développement AFD ça le timide on a un projet la tchamboun 3 millions d'euros l'investissement ça chapin maïta projet na reboisement bon 3 millions d'euros t'es dit qu'en zanoué tis foula ta ficha on a un projet quel et t'es en cas reboisement ni resaka tanku ni droit foncier ça va cha azu ya miara miasa miara kan fanjakana we aona ni droit foncier tunja projet na reboisement ça tu ça la watch we tika le challenge on a tunti chanti ti na reboisement rapide toi aona ni apata tika we aizantani azombulentik te inkuzan ça va cha tokuni miala miasa les services mais la can fanzakana le we a ona favoriser na si inciter na si motiver na zan ni tanura à nos reboisement tout est bien ça makasi tika PDP ni Max Fontaine tika tam sa ifane o kef chai jematu Laurent Laverson non me fitenin otini vo vola zan zere te ol zere sa fa la décision fut adoptée le 2 mars 2019. Tanya Muramanga, dans le fan embarang président de Vindelis, de Tamni Telsroarive, de la Wotzekuni, Flo Pirinina Tawalulouanze, la vision de Durban, de Aptumbun, Yuene Mano Moule, de la Mano Leoul, Famo Vetena priorité de Kouleiz. Sati voté na ngatele izwe un forêt humide de l'est un forêt sèche de l'ouest un forêt de tapia forêt de plantation zafat zenga ngatanteranga lewe 40,000 hectares de tsika zamagnu fawe nyala votsana hara tsuta fa vertsika tsony ze fa simba retopoko sati ngambarako nzana bula vonenga ngamtantara ny baiboly ny andriamanitra na ngombe nangiraka no wawe zozozo de voti de tao agnatin'izay hoe agnisan'ny zava-dehibe igny fiarovagna tontolo iainana satria ny teny izy hoe makany anao izy vorogno lavy vorogno vavy a mba hahafahanao mikajy anazy satria ho simbako zao tontolo zao a dia rehefa miverigna anao verigno toy ny taloha ny teny ndraigny tolo
Niazo zinvanikulaka na dintana nrinin tsara tsivuandroan zanin feruvan tutuliena kamka raudre tietsika utanteraka izay fambolika azy ny zavamisy ny fotona lotokon jerenge satria ka veky izany teneniko izany a rehefa tonga ny mois d'octobre sy novembre agnamo toerana fanatanterahana ny fikaroana dia eno izy nareo ny zavamisy mitaintaigna soit de main campement satria tonga eo gny oro mandorognala dia ao hitanareo zao fa namonomohotro izy zareo agny avaratra mandeha mamonomohotro anao andro 4 heures du matin 4 heures jusqu'à 6 heures du soir mandeha mamonomohotro ino antony mba azahoana an'le hazo le bozaka ny ilainy amin'io a fa tsy le ala dia victime mban'le ala le bozaka mba ho lasa maintso dia sakafon'le aomby agny zany le fototry n'le olana misy fototra na olana marobe ohatra zany zany a amin'iregny faritra misy mahatonga an'le olo manimba an'le ala dia ao agnatin'izay a nyteneny Max Fontaine mo le hoe informel daholo izy izy ny zavatra mivokatra hazon'ire olo regny magnimika atsika raha ohatra tena manapa-kevitra marina raha teanao vina tsy em magnatao fa hoe économie verte na village verte tena le village verte agnatao e andao ampignyire olo agny ambany vohitra regny dia itsika ty andreny vohitra mamboleka kazo agnamboaragna charbon rehefa tsy mahavoavidy gazo tena ataoko directa ohatra zany izy a mamboleka kazo a fa aza mananga gny tragno vato fa iaho zao isany zavatra mampalelo anahy rehefa mandeha an-tanàn-dehibe a tragno vato gny mamaika atsika tsangatsika ny tenany zany a satria ino gny zava-misy agny ambany vohitra mbola niasa makasiky gny charbon koa anao bois énergie dia io izy zareo a asandrazana aitsika asandrazana zay efa nylovany zareo avy amrazana zareo avy agny asa gadra ty o izy efa tigny na zatra any fa gny magagana formegny reo am'le fomba fiexploitegny charbon mba hahatonga agny ala tena manao zareo dikan'izany misy ambition zany am'iregny olo ifotony regny nefa atsika gny mampirisika an'zareo dia ao agnatin'izaygny tiako teneniny zany a manana anjara andraikitra ny fanjakagna manana anjara andraikitra atsika tia andriny vohitra fa tsika teo manko ia magnaiky ny teneny namagny ta teo hoe tokony misy izy ny suivi approche communautaire tena marigny zany fa andao atongotsika zareo de hoentsika agny am'zareo agny fampandrosogny zay ataotsika itio fa tsy manimba ny tontolo iainagna ataotsika fa magnampy an'zareo hoe mifahaizatsika aza tazomi eto a fa andao andeha ambany vohitra agny atsika tanora de hitatsika hoe afaky mampandroso marigny dia zany rehetrarehetra zany hoe misy gn'olo agnarabola ozy izy anina teo tena misy gn'olo agnarabola fa nagnatanteraky projet fiarigny filoha pirenegny zao fa io tsy priorité amin'io ny tanora nefa teneniny hoe tanora ho avy ny firenena fa prioriseny ny tanora dia mandehana mandeha ambany vohitra dia manaova antsika économie verte fa tsy tonga dia automatika zany io resaka fambolen-kazo io rehefa ohatra hoe atombontsika agny fotony reo a valorisentsika nyfanagnany zareo dia vita ho azy le izy dia mivaholany teneny fotsiny zany a raha mitentany Madagasikara antsika dia samy manana ny valeurny regny misy mamboly vani mamboly kafe mamboly letsi mamboly tsaramaso ilaigny am'iregny tsena iraisam-pirenegny regny magagana azy o magnafatry varomora atsika nefa agny abialagnagny a tena teneniko anareo fa rehefa anareo mivahiny agny abialagnagny zany sako mitemoignany zany fa na tsy mitondra vary anao dia velogny tena omeny zareo maimaim-pogno anao zany tsy mandeha vola tsy magnino satria magnino mamokatry vary zareo fa hohaniny fa tsy mampidibola ho anazy ohatr'zay le zava-misy dia izy ny teneniko teo hoe itsika zany a tena tompona ndraikitsy koa tsika tean-tanàn-dehibe marigny le approche communautaire fa veriko indray mandeha zay tompona ndraikitsika fantatrytsika hoe zao gnazo afagny mamokatry charbon rehefa tsy fantatra dia atsio gny namagna agny ambany volo fa fantan'zareo dia mambole azo ny tenany zany mantsy satria misy olo efa tena anao an'izany hoe mambolo azo izy ao an-dakorony a dia ao any izy magnano charbon dia igny any ny ampiasainy tsy mividy gazy izy a tsy magnavatra charbon ino gn'antony tsy afahantsika manao an'izany sotra betsaka ama tanoratsika izao tanora daholo zao antsika antonga eto dia inona aminao manokana no hoe fandraisana anjara fandraisana andraikitra ataonao a amin'izay resaka fiarovana ny ala izay voalohany indrindra aloha mila conscient rehetrarehetra zany hoe mila tonga saina tsy ny any fotiny ihany io fa ny atsika tya manana anjara briky lehibe tsika amin'ny fanarenana an'izany tontolo iainana zany raha izy koatsa fotsiny araka ny teniny namana teo hoe tokony hanana anjara anjaikitra atsika samy hamboly azo zava-dehibe a ny fambolena ho azo na di ray akory ary a eo amin'ny tokontaninao eo ary anatsoan'ny hafa iny zavatsiny mora
ny hitarina ny namanao raha ohatra ka manao ianao. Manarakaraka an'izay a, dia mahakasika ny hoe inona ny vahaolana. Vahaolana aloha dia ny resaka renforcement de communauté de base amin'ny resaka chaîne de valeur. Sa tsy manko a, ny antony tena anapotehan'ny zareo an'io ala io a, tsy volonten'ny zareo hoe hopitepotehako fahatany ty ala ty. Tsisy amintsika rehetsareo mivelona raha tsy isakafo. Sakafo nodadiavin'ny zareo ao anatiny ao satria ao zareo mitanjaka tantely, ao ry zareo mety hoe misy an'ilay resaka hoe masinikazo dia varotsa hazo ihany koa ry zareo fidiram-bola ho an'izy eo zany, nefa fantatsika fa fanimbana ny ala zany zavatra zany. Nefa iza moa no afaka hanometsinan'ny zareo mivantana? Tsisy angambany a, satria fivelomana ilay izy a. Nefa tsy azontsika taony hamela anazy amin'izany na dia fivelomana ary ilay izy, satria efe negatify ho an'ny firenena ilay izy. Ataoko hoe angambany tsy amin'ny firenentsika rery fa an'izao tontolo izao mihitsiny. Dia ny vahaolana ampio ny communauté de base amin'ny resaka chaîne de valeur. Ampio izy ireo maro ange ny tany any e, efa moka moa no iantsoanay anazy ihany, zany hoe efa tsy mamokatsa intsony, zany hoe efa nambolen'ny dimy sesy ilay izy dia tsisy tsirony intsony ilay tany. Manana expérimenté amin'ny resaka science agronomie tsika, resaka agroécologie, azo atao tsara angambany a ny ivaloriser indray mandeha, ifertile indray mandeha io tany efa tsy mamokatsa io mba hahafahany miverina eo. Fa raha zany tanteraka, tsy sitrapony zareo nge hiditsyany e, ary za milaza aminareo fa avy any fotiny a, fa efa tonga saina ry zareo hoe tena tsy tokony hanimba ny ala, nefa tsy afaka hiverina amin'ny tany tsy hamokatsary mihitsy ny zareo. Maro ny projet, maro ny financement mitobaka, fa tokony ho jerena akaiky zany zavatra zany, fa tena important be. Sa tsy manko a, tsy azontsika atao ny aneran'ny zareo hoe aza mamotika ala, nefa inona ny hoanin'ny zareo rehefa avy eo? Ataoko angambany hoe antery zany a, angambany hoe manaitsa izay mety hoe tompony anjaikitsa hafaka mijery an'izany faran'izay aingana. Satria tsy tokony hisy anjasoanjaso intsony a, satria efa tena hoe potika tanteraka e, efa tena tsy hoe mitataon-doza moa ny filazana azy, efa tena efa hiaron-doza antsika amin'izao ora sy fotoana izao, ka tokony hoe vahaolana faran'izay aingana no hojerena. Sotra to. Ie, mankasitraka be dia be anao. Andriamatoa Max Fontaine, inona no andraikitra hoentinao a, anjara briky hoentinao a amin'ny resaka izay hoe fiarovana ny ala izay? Ho an'izay tsy mahafantatra virkely hoe le hoe inona zany le bondy. Bondy zany a projet amin'ny 7 décembre 2019 anamboly raha etapitrisa azo a any andro anankiray, toerana anankiray, dia iny ny événement voalohany amin'ny projet bondy a. Dia avy eo misy an'ilay programme complet miaraka amin'ilay suivi, l'entretien, sy manamboly na dia amin'ilay 8 décembre zay dia efa manomboka mamboly indray a, fa iny zany ny événement hoe voalohany indrindra, le événement farany bondy. Dia inona zany ny ohatra hoe ny solution hoentinay, ny innovation hoentinay a, voalohany indrindra bondy a ny tena tianay atao miaraka amin'ity projet ity, tena hoe bondy a plateforme na collaboration amin'ny partie rehetrarehetra ao anaty société. Dikan'izany hoe fanjakana miara-miasa miaraka aminay a, secteur privé, institution, ary ny tanora koa. Avy eo innovation ray inona zany ny approchenay miaraka amin'ny communauté locale ohatra. Ny voalohany zay le modèle anay zany a, ny nanomboka miaraka amin'ny communauté locale le reboisement, tonga aorianan'izany fa le tena tianay iasana le hoe ahoana ny azo miara-miasa miaraka amin'ny communauté locale. Voalohany indrindra maninona zareo manapaka ala, inona ny cause na déforestation? Voalohany a charbon ohatra notenintsika teo, avy eo ohatra hoe bois de construction ahoana ny anaovan'zareo trano, avy eo sakafo ho an'zareo a sy sakafo amin'ny biby, dia azo le azo en soi zany le ressource zany, ahoana koa no azo organisentsika na filière efficiente sy durable an'le produit vita an'le population locale, iny koa zany miditra ao anatin'le solution sy court terme sy le long terme. Avy eo zavatra ray tena important be ho amin'ny bondy a le hoe
redorer l'image ni reboisement zany aona ny anovantsika hoe le manao reboisement zavatra cool si sexy ndray reboisement 2.0 zany le izy hoe tsika tanora tokony averintsika la mode jay le reboisement. Ye, mankasitrika be dia be anao a andriamato Laurent Ravelson. Tsotra betsaka na ny fitenena. Nenanga mba tsotra fotsiny vaolana hoetiko. Tena maro be ny fikaroany vita. Fagnolagna ary tsika rehetrarehetra io dia zao ny fanontaniny mipetraka andohantsika hoe hoay aho rehefa vita ty fikaroany ity, hoay aho rehefa vita ty fianarana ity. Tokony hametraka antsika tena hoe banque de développement ho an'ny jeune. Tena ho an'ny jeune io a, dia mahavita an'io recherche io izy, mahavita an'io fianarana io a, dia ho anazy io. Satria misy manao an'izany any ivelany a, dia tena lany fagnahy aho fa hoe iay ozy izy ny agny aminay a, tena vatsigny ay ozy izy amin'ny fianaranay. Atao izay avy tany agny fianaranay a, dia rehefa mahita asa iay a, dia averinay gny volan'le banky. Zay gny anazy a. Dia tsika zao miresaka reforestation, dia ampifangaro eo amin'izay gny développement, gny restauration, sy ny développement durable. Ny vola ao zany a tegna agnatanterahagna an'izay ho an'ny tanora, ho an'ny fampandrosoana maharitra, dia ho an'ny fitantanan'ny ala. Fa ngamba mino ao a, fa maro ny ingénieur agronome andeha irotoroto andeha agnaty ala. Ny projet bondy a tena mazoto izy andeha agnaty ala. Fa raha anao miteny hoe alefa azo atigny dossiernao agny amin'ny chambre de commerce mbola efa ninagna, mbola asa be koa zany. Fa io fa fantany fa io izy a, io le vola ampiasaiko a, dia mandeha ao magnatanteraka anazy. Dia isaky ny faritra tokony apetraka amin'izay agence de développement magnaramaso ny fampiasana an'ireo vola ireo. Vitan'igny vahiny zany. Fa magnino antsika manana kapitala, manana ressource, manana oro, tsy mahavita an'izany. Tsika manana tanora mavitrika, manana saigny afaka mikaroko satria mpikaroko aby gn'ankamaroany. Zay ny sistema ny fampianarana eto amintsika aloha fikaroana. Dia mahavita fikaroany a, dia ataoko vazivazy ilay izy. Apetraka agny bibliothèque, dia lanin'ny kadradra koa le fikaroana. Fa tsisy zavatra azo avy aminazy. Sotra betsaka. Ye, mankasitrika be dia be anao a. Farany andriamato Mirindra Andriambaratina. Ya, sotra nanome fitenenana. Raha hoe za manokana angamba atao hoe amin'ny sehatry ny asa ihany andavanandro efa misy ny fomba entina anairana sy iarovana ny ala. Ohatra fotsiny zany hoe zay moa amin'ny foibe pirenena misahana ny tontolo iainana zavatra anakiroa no zavatra tena tao. Eo le hoe préservation ny environnement na hoe fikajinany tontolo iainana manoloana ny investissement. Fa io ihany koa ny anankiray a ny diffusion des systèmes d'information environnemental. Dia ny zavatra anisan'ny natao zao a ohatra ampahafantarina an'le décideur na ry zareo mpanapa-kevitra ny zava-misy. Ka zao efa tanisy zao tany Boeny naseho anay hoe zao any no zao hectare isan-taona no alanareo Boeny ato potika. Dia ny chef de région mihitsy no niteny hoe ha manomboka izao tsika eto Boeny a, manomboka manao plan na hoe manao projet mba ampiovan'io zavatra io na ampiovan'izao situation zao. Zay zany le izy ka anankiray zany hoe tena hoe tenena amintsika raha hoe tena manokana. Eo ihany koa moa le fifandraisana amin'ny tanora. Dia ny azay foana hoe rehefa tanora dia le mondana tanora e, ny ahy tonga dia izay foana. Ny ahoana moa zany le hoe mondana tanora? Tsy maka zavatra lavitra be foana ny anahy. Zay foana ny ahy le solution apetraka zany a, satria misy sehatra ny zavatra rehetrarehetra. Raha ohatra hoe ministra ianao, mety zavatra hafa no andrasana aminao. Dia isika zany tanora, inona no andrasana amintsika? Ny zavatra anisany zany a andrasana amintsika dia ny miteny aloha dia mandray andraikitra. Tenenina foana matsy anareo no avy amin'ny firenena, no avy amin'ny firenena fomba hoana. Tamin'ity aloha zany mahafinaritra hoe betsaka ny tanora atao hoe tafiditra amin'ny sehatra ny sehatra ambony a
Nafinaritra be iny na nahita reny nomination ana directeur reny a mbola atao hoe anatin'ny fahatanorana mafinaritra be zany dia isika miainga amintsika izao le fandraisana andraikitra ihany koa ny betabenjahatra ny tenenina teo hoe misy an'izao fa tsy tanteraka misy an'izao fa tsy tanteraka misy an'izao fa tsy tanteraka zany hoe le volonté mihitsy any no tsisy e fa io rehefa tiana i moa ny teniny vazaza hoe quand on veut on peut rehefa enao mihitsy ny tianao le ala tianao le tontolo iainana tianao le zavatra manodidina anao a dia isika tanora mihitsy zany a mila mirotsaka be dabe le zavatra ny teneny namana teo a raiso daholo ireny zavatra tsara be daholo le izy za zany manampy fotsiny amin'izay sisy avy eo na mety hoe mame satria za le ny teny farany tsisy zavatra manjary lasa miverina daholo ah raha vaonao zao efa voateny tare any zany manjary lasa zavatra voateny foana no miverimberina fa hoe eo le hoe fikaroana ampiasao ny fikaroana iaino le zavatra dia aza miandry rapitso aza miandry hoe aa aleo aloha nome directeur ihany koa zay vao afaka immobilise olona tsia ny aho a exemple tsotra be foana le izy hoe za zao atokontany de efa mamboly azo ny sorana an'andriamanitra hoe misy tokontany fa ho an'izay tsy manana zany a na tsy tadyy e azo atao koa ohatra hoe eo atokontanyle olona eo ampitanao za mba amboly azo eto zavatra tsotra mety hoe mampiome le izy a fa zavatra tsotra ny zavatra nisy foana zany hatramin'izay a miandry tsika miandry zavatra ohatrany hoe miandry zavatra angeza be vao manao zavatra fa aleo tsy miandry tsony e tsy lany andro tsony hoe ianao an'izao misy zao le zavatra rehetrarehetra zany a ny erikerika amin'ny mahatondradrano izy ny fitenenan'ny taolo dia le zavatra rehetrarehetra misy ohatra manataleta hoe anangana projet zavatra tsara zany aza malahelo ianao raha hoe hay za tena tsy mahavita namboly azo zato akory tsy maniny zany raha azo ray mivitanao a ifalio dia amin'ny heritaona atao azo roa dia amin'ny heritaona azo telo dia hitanao hoe ty le azo ray ty le azo ohatra zany zay zany ny anahy tsika amin'ny mahatanora dia manomboka androany le izy tsika rehetrarehetra zao matoa tongaeto a samy tonga saina samy teampandroso dia aza miandry zavatra angeza be fa zavatra tsotra afaka hoentinao a dia farany fotsiny misy ohatra mety hoe plateforme afaka miditra amin'la plateforme koa ianao raha ohatra ka tsy afaka hoe ana dia miara-mifanampy zany hoe misy action na hoe le asa hiarahana manao dia tanteraka eo.